7 mois de formation, 7 mois de détention aussi, ça va vite. Bon, après c'est intéressant, ça nous permet d'avoir une qualification à la sortie. Bon, c'est comme intéressant, mais il n'y a pas trop d'avantages aussi. C'est dur, il faut se réveiller tôt, on travaille sous le soleil matin et midi. Après c'est super intéressant parce qu'après on voit la récolte, on voit ce qu'on a fait. Je veux dire qu'on est satisfait de notre travail, ça nous permet de vouloir faire plus, apprendre à faire plus. Il n'y a aucun souci, aucun problème avec les détenus. D'ailleurs j'en suis fier de travailler avec eux comparativement à un chantier d'insertion que je menais dehors. Donc ici ça se passe super bien. Donc nous sommes une société ASL, Association Solidarité de la Matinoise. Nous sommes un satellite de la ville de la Matinoise. Ben, ici nous apprenons à planter, à cultiver la nature du sol. Mais cette formation est basée sur les maths, l'agriculture. Il y a aussi, ils sont un psychologue. Nous les travaillons de façon à ce qu'ils prennent, comme ils sont tout près de la sortie, de manière qu'ils arrivent à engendrer le pas qu'ils ont déjà emprunté. Et chaque année, nous avons 12 salariés. Cette année, nous avons 8. Chaque année, nous avons 12 salariés, comme 12 élèves qui entrent à l'école depuis qu'ils ressortent. On est plus de 1000 et quelques euros. Quoi. C'est quand même pas mal. Oui, c'est intéressant. C'est un peu difficile. Des fois, on trouve, y a des moments très difficiles quand on part de... Je pars à la maison, je dis vraiment en combat. Tu veux dire, on ne sait pas à quoi s'attendre. Lorsqu'on est sur le terrain, vraiment, on voit sur quoi on va se trouver, surtout les détenus quand ils entrent aux cellules pour ressortir le lendemain, ils sont plus des fois c'est un peu difficile. Des fois ça se passe très bien. Mm-hmm. Il y a des jours qu'on rigole bien, mais ce ne sont pas des mauvais, ce sont des détenus qui peuvent rebondir dans l'avenir, surtout au niveau du marché.